Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche Entière, j'espère que vous allez bien. Nouvelle compagnie aujourd'hui à vous présenter, que je vais découvrir en même temps que vous dans cette vidéo. En commençant, je tiens à m'excuser du vacarme qu'on entend en arrière, là, en tout cas. Peut-être qu'on l'entendra pas tant que ça dans la vidéo, là. J'ai ma machine à eau distillée. Dans le fond, là, quand je suis ici, là, ma belle surface blanche, je suis sur mon congélateur et puis j'ai ma machine à eau distillée juste au bout. Qui est en train de fonctionner, puis on dirait que je pense jamais à toutes les fois que j'arrive à faire une vidéo, elle est tout le temps en train de fonctionner. Donc, je m'excuse, là, c'est comme un bruit de fan, si on veut, là, c'est comme une grosse bouilloire qui bouille pendant une couple d'heures, là. Bon, donc, la compagnie, c'est diamonddart.ca. Pourquoi cette compagnie-là? Écoutez, je la connaissais pas pantoute, j'ai pas vu de unboxing, j'ai pas vu de publicité, rien. C'est qu'un soir, je me suis assise et j'ai fait des recherches parce que, vous savez, j'ai terminé ma Pink Lady il y a un petit bout. J'adore le style de cette toile-là et je voulais rechercher d'autres toiles qui me plairaient, qui seraient dans le même genre. Et puis, j'ai cherché autant sur AliExpress que sur un paquet de sites. Il n'y avait rien qui était à mon goût, il n'y avait rien qui me plaisait vraiment. Puis, à un moment donné, tu sais, pourtant, là, ça, c'est du pop art. Tu sais, je veux dire, c'est facile de trouver sur Google un paquet d'images comme ça, dans ce style-là, mais Colline des toiles, c'est donc dur à trouver. J'avais vraiment beaucoup de difficultés. Puis, je suis tombée sur le site de diamonddart.ca. En plus, c'est un site canadien. Donc, je vais découvrir, là, j'ai trois toiles qui se cachent dedans. Trois dans le même style que ma Pink Lady. Vraiment, là, j'ai très, très, très hâte. Ça n'a vraiment pas été long, la livraison, pour vrai, quand j'ai commandé. En plus, là, je sais qu'il offre là, CISO, là, le paiement en plusieurs versements. Ça, je sais que c'est quand même populaire auprès de plusieurs. Il y en a beaucoup là, qui en profitent justement pour se gâter un peu plus. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça bien de le mentionner. C'est aucunement un partenariat. Hein. Je découvre, je teste. Là. J'ai payé là, 100% de ma commande, vraiment. Là. C'est aucunement un partenariat. Je vous en avais glissé un petit mot. Dans une vidéo, là, dans un vlog, là, je vous avais dit que j'avais trouvé là, un site et tout. Là, donc, le voici, le fameux site diamonddart.ca. Donc, vous l'avez dans le bas de la vidéo. Vous l'avez aussi dans la description de la vidéo. Donc là, voici mes trois toiles. Donc, on va les découvrir. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Oh, OK. Donc, on a un 30 jours de garantie. Sinon, argent remis. Puis, ils ont des concours à tous les mois qui font tirer 25 $ là, en carte cadeau. Bon, hey! OK, une copie là, de ma facture. Merveilleux! Ensuite, OK, on a une petite carte ici là, avec le logo diamonddart.ca. Donc, en français et en anglais. Hey, d'habitude, c'est tout le temps en anglais. On a des belles petites explications. Je trouve donc ça le fun, une belle petite carte comme ça. C'est pas tout le temps envoyé, hein? Avec, là, il n'y en a pas beaucoup qui ont des modes d'emploi. Donc, là, j'ai une toile en rond et deux en carré. Je veux vraiment tester leur carré. Je vais les ouvrir, on va les regarder. Donc, on va y aller avec celle-ci en premier, qui est une 30 par 50. Donc, vraiment, là, je suis très, très difficile. Je voulais avoir quelque chose dans le même style, mais qui ne se ressemblait pas trop. Écoutez, j'ai regardé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites. Puis j'ai flashé. Quand j'ai vu celui-là, là, j'ai flashé carrément. Donc, regardez-moi ça. C'est pas une femme là, comme ma Pink Lady, mais c'est dans le même style là, pop art. C'est un peu cartoon que certains diraient. Moi, je serais bien raide. Là. Donc, l'image, là, on peut la voir là, en plus petit ici. Donc, c'est une bouche là, tout simplement de femme. Là, et puis... c'est ça, qui est en train de se mettre du rouge à lèvres. Donc, celle-ci est en diamant rond. Donc, c'est ça, une 30 par 50. Voici mes diamants. C'est dans des petits sachets qui ne sont pas refermables. Donc, c'est ça, ça prend vraiment un organisateur. À première vue, comme ça, les couleurs sont brillantes. Quand même vives, donc excellent. C'est ce que je voulais, là. Je le savais quand même que tu allais avoir des teintes quand même foncées, mais tu sais, les couleurs sont vives. Là. On voit là que ça brille, donc ça m'a l'air quand même bien. Ensuite de ça, petit toolkit qu'ils mettent avec une coupe de petits sachets refermables. Donc, petit toolkit de base avec le petit plateau vert. Là, moi, je vais aller voir la colle. Qu'est-ce que ça dit?
Oh, j'ai quand même une bonne couche de colle. Vraiment. Puis, on a vraiment l'entête ici, diamondart.ca. Donc, c'est pas de l'achat-revente. C'est probablement eux qui impriment le toile. Donc, vraiment, là, en tout cas, à première vue, ça m'a l'air d'une bonne qualité. Pour le prix que j'ai payé, écoutez, là, je suis satisfaite de ce que j'ai reçu, là. C'est la qualité standard à ce à quoi je m'attendais, là. Ça ressemble un peu, là, aux qualités, là, que je vous présente, là, avec mes autres partenariats. Je dirais que c'est pas mal ça que je m'attendais aussi. Je m'attendais pas à recevoir quelque chose de style à la Diamond Art Club, là, dans une boîte et tout et tout. C'est aucunement des toiles d'artiste. C'est vraiment là, je comprends pas pourquoi que c'était si dur que ça à trouver. Pour vrai, j'ai vraiment cherché beaucoup avant de tomber sur ce site-là. Et puis c'est ça, moi j'étais difficile, je voulais pas n'importe quelle. Bon, je vais la refermer comme il faut tant qu'à faire. Ensuite, la deuxième. C'est vraiment des... Tu sais, faut écrire comme POP. P-O-P dans la recherche, là, si vous trouvez ça. C'est comme si on regarde, là, il y avait des petits collants là-dessus. Là. Tu sais, ici, on a POP R Fashion. L'autre ici, c'est marqué POP Lips. Donc, ça, c'est vraiment, là... c'est ça, je dis, c'est vraiment comme du POP R. C'est vrai, je comprends pas pourquoi. C'est super beau. Je comprends pas que ce soit si dur que ça à trouver. Celle-ci, une petite 30 par 30. Ah, c'est des diamants ronds aussi. OK, je croyais que j'avais des diamants carrés dans le lot. J'étais pourtant persuadée que j'avais pris des diamants carrés. C'est peut-être moi qui étais dans les patates. Des diamants ronds aussi. Peut-être que l'autre, c'était avec des carrés. Je sais pas. Hein. Je vais regarder. J'ai peut-être tout pris des diamants ronds pour que tout s'affiche, vu que j'en avais déjà un en diamant rond. Ça, c'est quelque chose qui se peut vraiment beaucoup. Mais c'est pas grave. Là, ce que je veux voir, c'est est-ce que j'ai vraiment 30 par 30? Je veux le mesurer. Donc, moi, je veux voir, là, est-ce que j'ai vraiment 30 par 30? Oui! Donc, génial! Ça veut dire que l'autre, c'est vraiment une 30 par 50. Parfait! Parce que je vais pouvoir me fier... déjà aux mesures, puis déjà acheter mes cadres. Parce que c'est ça. L'autre est encadrée, ma Pink Lady. Donc, j'ai très, très hâte là, que ces trois modèles-là puissent aller la rejoindre. Ça va être vraiment un petit coin. Je ne sais pas où ce qu'on va l'installer parce que mon copain a trouvé vraiment belle, ma Pink Lady. Donc, je ne sais pas où ce qu'on va mettre ça, mais j'ai dit là, que j'organiserai quelque chose pour avoir quelque chose comme un peu thématique. Là. Donc, je ne sais pas où, là, mais il y a des fortes chances. Là, ces trois toiles-là, là, ça. Avec mon autre, ça va faire quatre. Là. Je vais faire un coin dans la maison, un mur de quoi. Là. Je vais comme mettre les quatre cadres là, dans... Je vais organiser quelque chose. Ça va être sa coche. Donc, la petite 30 par 30. Je la trouvais belle, celle-ci, parce que mon autre Pink Lady, elle a les cheveux tous dans les teintes de rose. Puis celle-là, ici, c'est tout dans les teintes de bleu. Tu sais, je voulais avoir quelque chose de semblable, mais avec des couleurs un peu différentes. T'sais. J'étais vraiment difficile sur mes choix. Puis... quand je suis tombée sur diamondart.ca, il y avait un autre modèle aussi, mais j'ai vraiment flashé sur ces trois-là. Je me suis dit, oh, OK, vendu, c'est vraiment ça que je veux. Donc, même chose ici, des petits sachets qui ne sont pas refermables. Tu sais, on voit là, que les couleurs sont bien pigmentées. Là. Tu sais, on voit là, quand même, là, c'est parfait, c'est pas trop sombre. Puis, pour en avoir déjà pogné des diamants là, qui sont comme plus mâts, si on veut, qui sont moins brillants, on le voit tout de suite là, quand on regarde les sachets. Là. Oui, le sachet Airluise, là, mais on le voit là, les diamants. Là. Puis, ça m'a l'air vraiment excellent. Donc, c'est sûr qu'à première vue comme ça, c'est mon expérience qui parle. C'est toutes les toiles que j'en ai tellement vu, j'en ai tellement essayé. Donc, tu sais, je peux déjà dire si oui ou non, ça va être un produit qui va dire que ça va être bien ou que je suis satisfaite sur la qualité et tout. Mais je peux jamais avoir une opinion, là, ça peut pas être 100% coulé dans le béton parce que je l'ai pas essayé encore. Ça va être lorsque je vais poser des diamants dessus que je vais voir. À première vue comme ça, là, ça m'a l'air très bien. Là, c'est ça. Comme je vous dis, là, c'est vraiment très semblable là, aux toiles que je vous présente là, assez souvent là, dans des partenariats. Donc, la dernière, une 40 par 40. La même grandeur que ma Pink Lady. Mais ma Pink Lady, dans le fond, c'était 40-40 les mesures extérieures. Fait qu'au final, ça s'est avéré en 35-35. Mais elle, c'est vraiment une 40-40. J'ai déjà le cadre noir en haut. Regardez-moi ça, comment qu'elle est jolie. J'ai vraiment trippé quand j'ai vu celle-là aussi. Oui, je suis dans les mêmes teintes de cheveux un peu.
Mais tu sais, ça va être plus du mauve, je sais pas. J'ai vraiment, là, j'ai trouvé ça vraiment ça coche, même à faire avec des lunettes, tu sais. Je trouvais que ça se ressemblait. C'est vraiment celle-là qui m'a comme fait accrocher. Puis là, je suis allée voir sur le site pour trouver autre chose. Puis j'ai réussi aussi à en trouver une sur AliExpress, mais elle n'est pas arrivée encore. Donc, je vais vraiment avoir. Je vais vraiment là, avoir. C'est 5 toiles là, que je vais mettre. Là, que je vais vraiment. Là, mais tu sais, j'ai des grands murs à la maison, j'ai des grandes places là, que je peux en mettre. Là, donc, je vais vraiment m'organiser ça, les cinq toiles là, dans le même spot. Là, ça va être malade, ça va être vraiment beau. Donc, la troisième et non la moindre. C'est vraiment elle là, qui m'a comme fait accrocher sur le site. J'ai fait comme oh, ok, je vais aller voir s'ils n'ont pas d'autres modèles dans le même genre et tout. C'est vraiment elle là, qui a été mon coup de cœur. Puis tu sais, si éventuellement, ben pas éventuellement, tu sais, je me disais, bon, mais tu sais, si éventuellement, il n'y en a pas d'autres, ben tu sais, regarde, moi, juste commander celle-là, puis c'est tout, puis tu sais, au moins, j'en aurais deux, puis tu sais, à force que je vais en trouver. Ou je m'étais dit, au pire, je vais juste essayer de faire des recherches dans des images au style fond d'écran ou de quoi de même, tu sais, d'avoir une belle image, puis de l'envoyer en personnalisé. J'en étais comme un peu rendue là, parce que je trouvais rien, puis là, j'arrive sur le site, puis ah, ok. Donc, c'est ça. Celle-là ici est en carré. Oh my God. D'ailleurs, regardez-moi les belles couleurs vives. Oh là 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 là. Donc, celle-ci, c'est tout des petits sachets refermables. C'est ça. C'est différent un peu, là, les carrés et les ronds. D'ailleurs, regardez-moi ça. Les belles couleurs qu'il y a là-dedans. Oh là 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 là, ça va être agréable à faire. Il semble pas avoir de noir, hein? Non, d'après moi, il n'y a pas de noir. C'est vraiment là, comme mon autre toile. Là, qu'est-ce qui va être foncé? Ça va être du 939. Là, ici, là, du bleu marin, là, si on veut. Ah, oh, wow! Hey, j'ai vraiment très, très hâte de la commencer. Je disais que j'allais commencer mon petit 30x30, mais je sais pas. Je vais peut-être commencer par celle-là. Je ne sais pas. Les trois sont à faire. Donc, les trois, je vais être pressée. Là, je vais avoir très, très hâte de les faire. Un petit toolkit un petit peu différent cette fois-ci. J'ai un plus gros plateau vert avec le bout ouvert ici. Donc, c'est pas comme les autres là, avec le parce qu'on dit d'habitude, le petit bateau vert, si on veut. Là. Celui-là, un petit peu différent, un petit peu plus grand. J'ai une petite pince. J'ai une plus grande gommette aussi. Là, donc, une petite coche au-dessus du petit kit là, traditionnel là, de base. Là. Donc, voici mes trois toiles de diamondart.ca. Donc, je suis, en tout cas, à première vue comme ça, là, je suis très satisfaite de ce que j'ai reçu. Ça a été quand même très rapide, la livraison. Pour vrai, ça a vraiment pas été long quand j'ai commandé, que ça a été envoyé. C'est ça, je trouvais que c'était important de vous mentionner aussi là, qu'il y avait là, la méthode de paiement Caesar. Donc, je sais des fois là, qu'il y en a là, qui se laissent un petit peu plus aller dans ce temps-là. Il y a deux de mes trois toiles qui étaient à rabais aussi lorsque je les ai achetées. Donc, on voit là, que les prix jouent. Là, donc, c'est ça. Il faut aller voir. Là. Des fois, il y a des sites, là, c'est tout le temps abordable. Mais il n'y a comme pas de rabais. Mais il y a d'autres sites, mettons, comme Diamond Art Club, de quoi, là, oui, il y a certains soldes, mais les toiles sont vraiment très chères, c'est sûr, parce que c'est des toiles d'artistes. On s'entend et puis on est à une coche là, de différence. Là. L'emballage et tout, la présentation, la qualité de la toile, là, c'est vraiment au-dessus. Mais pour vrai, pour qu'est-ce que j'ai reçu, là, ça vaut le prix que j'ai payé. Je me souviens plus exactement combien, là, mais c'est la qualité à laquelle je m'attendais. Je m'attendais pas à recevoir ça dans une boîte de carton. Je m'attendais pas à avoir une toile là, douce, toute piquée, tout côté. Je m'attendais quand même à quelque chose là, semblable à mes partenariats. Puis c'est vraiment ça que j'ai reçu. Donc, mes attentes sont comblées. Vu que c'est une nouvelle compagnie aussi, tu sais, je le savais pas, là, je me disais, c'est peut-être quelque chose de bien cheap, mettons, ça aurait pu être pire que mes partenariats que je reçois, là, tu sais, j'aurais pu recevoir, j'ai déjà acheté des choses, là, j'ai déjà eu des toiles, là, d'une compagnie ou deux, là, ça fait longtemps, là, je me souviens plus quelle compagnie, mais tu sais, les diamants, comme, tout terne, tout comme poussiéreux, tu sais, vraiment, là, non, je suis très, très contente, les couleurs sont vives et tout, donc, tu sais, les diamants, là, les couleurs sont bien pigmentées. Donc ça, c'est vraiment un plus parce que c'est ça. Quand on se ramasse avec des... Tu sais, que les couleurs sont plus ternes un peu, ben, tu sais, c'est plate. Le diamond painting, oui, il va briller un peu, mais tu sais, on dirait que, je sais pas, tu sais, il manque comme quelque chose, là. Puis, ce style de toile-là, ben ça prend des couleurs, là, vraiment pigmentées. Ça prend des couleurs, tu sais, avec du vif, là. Faut que ça ait du punch. Vraiment, là, c'est ça le mot que je cherchais. Faut que ça ait du punch. Donc, je vous cacherai pas que celle-ci est en diamant carré. Et puis, j'ai quelques diamants AB carrés à la maison.
Je vais peut-être modifier un petit quelque chose. Je me disais, là, au niveau des lèvres, là, il y a peut-être des petites chances là, que je vienne mettre un petit peu des AB. Ou bien au niveau des lunettes. Je m'étais dit, là, ça pourrait être de quoi de pas pire à inclure, là. Mais tu sais, je vais voir avec les couleurs et tout, là, avec qu'est-ce que j'ai. Là, je me disais, ça peut être de quoi de pas pire, là, à l'angle, avec le, tu sais, avec le design. Je vais peut-être m'amuser sur celle-là. Assurément, vous allez voir l'évolution des trois toiles. Peut-être pas au complet, là, mais tu sais, c'est sûr qu'au moins, tu sais, au moins un vlog sur chaque toile que vous allez voir passer, parce que tu sais, ça va être sûrement des toiles là, que tu sais, je vais faire là, comme ça, là, tu sais, que j'avance, ce ne sera peut-être pas des projets que je vais avancer 100% avec vous, là, tu sais, que vous allez voir là, plusieurs parties, là, mais assurément, vous allez au moins avoir un vlog, sur, tu sais, un vlog, peut-être même deux, sur la toile, puis c'est sûr et certain que vous allez voir le résultat fini, mais tu sais, quand je l'ai encore et tout, à la toute fin, là, je vais tout vous montrer ça, là, tu sais, je veux vraiment que vous voyez le produit fini. À part de ça, ben c'est pas mal tout. Moi, écoutez, j'ai des belles toiles en avant de moi. Ça me donne le goût un peu d'aller faire du diamond painting. Aujourd'hui, c'est une journée de pluie, une journée un peu poche, une journée vraiment tranquille. Là, tu sais que c'est ça. J'ai pas nécessairement le goût de faire 50 millions d'affaires. J'ai vraiment le goût de m'asseoir et puis de faire du diamond painting. Fait que j'ai une couple de projets de commencer. Je pense que je vais aller donner une go là-dedans si je veux pouvoir embarquer. Dans mes trois autres, sur une de mes trois autres toiles, là, le choix va être dur, laquelle que je fais en premier, pour vrai. J'hésite vraiment entre la 40-40 puis la 30-30. Tiens, je vais vous faire, même pas, là, même celle-là ici, là. Donc, je vais vous demander en commentaire, tiens, votez pour laquelle que je devrais partir en premier. Est-ce que ça va être ma 40-40, ma femme aux cheveux mauves, ma 30-30, ma femme aux cheveux bleus, ou bien ma 30-50, là, les lèvres. Donc, dites-moi ça là, en commentaire, là, laquelle des trois que je devrais commencer en premier, laquelle des trois que vous voulez voir un vlog là-dessus. Là, ça va m'aider à faire mon choix parce que là, je suis vraiment indécise. Les trois sont écœurantes, les trois sont super belles. Donc, tiens, je remets ça entre vos mains. Donc, en commentaire, dites-moi par laquelle que je devrais commencer. Sur ce, bien, j'ai vraiment très hâte de pouvoir tester ça, de pouvoir voir un peu. Surtout aussi, c'est une compagnie là, canadienne, donc c'est ça, diamondart.ca. Vous avez le lien là, dans la description de la vidéo, donc si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Écoutez, ces modèles-là, je ne les ai pas retrouvés nulle part ailleurs, sur d'autres sites. J'ai fouillé beaucoup, beaucoup. Et puis, donc, tu sais, j'ai pas trop non plus fouillé sur le site parce que moi, ce que je voulais, c'était ça. Je l'ai commandé, merci, bonsoir. Mais j'ai l'impression que, regardez ça, j'ai pas trouvé ça nulle part. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des fortes chances que sur le site, il y a un paquet de toiles que nécessairement, peut-être que vous avez pas vu à nulle part d'autre. Donc, ça peut être intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil. Puis, je pense qu'avant d'aller avancer une petite toile de DP, mais je vais peut-être aller jeter un autre petit coup d'œil sur le site. Juste aller voir qu'est-ce qu'il y a, là, me donner une petite idée, là. Malgré le fait que j'attends toutes sortes de choses par la poste, j'attends vraiment plein de trucs. Puis, comme je vous ai dit, il va avoir une autre toile là, dans le même style pour venir compléter là, ma série, si on veut, ma petite collection, là, mon projet. Donc, celle-ci, je l'ai commandée sur AliExpress. Aussitôt qu'elle va être arrivée, là, je vous fais un beau petit unboxing et puis je vous montre ça. Mais j'ai commandé ces trois-là en premier. Puis après, je suis tombée sur l'autre sur AliExpress. J'ai vraiment fouillé beaucoup. Puis boum, comme ça, à un moment donné, un soir, ça m'est apparu dans mes suggestions, donc peut-être c'est un nouveau modèle, peut-être que bon, il va en avoir de plus en plus. C'est-tu comme un peu un style qui revient à la mode ou de quoi? T'sais? Si c'est un style qui est demandé, ben tu sais, on risque d'en voir de plus en plus. Mais pour l'instant, il y en a comme pas tant que ça, donc j'ai vraiment cherché beaucoup. Mais je suis très contente de ce que j'ai, là, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. J'avais peur même que, tu sais, 40-40, mais tu sais, ça fasse comme ma Peak Lady, que ce soit les mesures extérieures. Pantoute, c'est vraiment les mesures de la toile. Donc ça, c'est génial en partant, là. Je vais même aller regarder, là, tout de suite, là, pour un cadre, là, le 30-30, j'en ai un. 40-40, j'en ai un, mais 30-50, j'en ai pas. Donc, je vais même aller déjà faire une petite recherche, là, aller voir sur Amazon, là, qu'est-ce que je pourrais trouver. Donc, sur ce, j'attends vos commentaires. Je veux voir laquelle que je commence. J'y toucherai pas tant et aussi longtemps là, que c'est ça. Je vais vous laisser là, une couple de jours. Là, juste voir là, par laquelle que je devrais commencer. Enfin, moi, c'est ça. Après ça, ben éventuellement, là, je vais avancer un petit bout là, puis je vais vous faire un vlog là, sur la toile. Vous allez voir passer ça, c'est sûr et certain. Sur ce, ben, je vous souhaite une agréable journée et puis on se dit à très très bientôt. Bye bye!